Bonjour à tous. Surpris ? C'est Imagina. Alors cette présentation, nous avons choisi de la faire sur un grand écran. Parce que nous pensons que cette convergence entre les images 3D, les images calculées, les images pré-calculées et le jeu vidéo, il vaut mieux la montrer plutôt que l'expliquer. Elle a une longue histoire. En fait, quand on dit longue, à l'échelle de notre métier, c'est une dizaine d'années. Mais je crois surtout qu'elle va plus loin aujourd'hui et qu'il y a des directions qu'Infogrames explore qui méritent d'être partagées aujourd'hui. Alors on va commencer par la plus simple, celle que tout le monde connaît, c'est l'illustration, la publicité des jeux vidéo à travers l'image de synthèse. Tous aujourd'hui ont des introductions qui d'ailleurs constituent une partie très importante de ce budget et qui ont explosé avec l'arrivée des CD-ROM. Alors moi je vous propose de commencer par regarder un premier exemple, une production récente d'Infogrames, Space Circus, où par un petit film en image de synthèse, on présente la problématique aux joueurs afin qu'ils soient plus rapidement dans l'action, plus rapidement immergés dans ce monde incroyable de Space Circus. Regardez. What happened? We are in orbit around planet Tensions. Ah, great news! Fire the missile! Full power! Yes, sir! Right now! Well, I'll go see what happens, sir. Alors voilà les premières applications de cette image de synthèse et du jeu. Une présentation, une introduction, une publicité qui a permis, à la fois dans les magasins et à la fois chez soi, de montrer les qualités des ordinateurs, mais finalement qui n'avait pas un grand lien avec les jeux véritablement. Alors, à Infogrames, on a essayé d'aller un petit peu plus loin et de se poser véritablement la question de ce que pouvait représenter l'image de synthèse à l'intérieur même des jeux, dans la dynamique d'un jeu, et est-ce qu'il pouvait, comme on pouvait commencer à créer des ponts entre les deux. En d'autres termes, plutôt qu'un long discours, regardons déjà ces deux premiers exemples et on va revenir pour les commenter.
célestes. Incapable! Connais-tu le châtiment réservé à ceux qui échouent? De Bruxelles? Ah ah il est sous de Bruxelles, c'est pour ça. Oui, je suis sauvé. Vite, crétin, le maître attend. Alors, ce qu'on a voulu montrer d'innovant dans ces deux courts passages de Heart of Darkness, c'est cette liaison, cette fluidité entre un monde que le joueur lui-même manipule, un monde où le personnage est véritablement interactif, et puis des plans qui rajoutent au récit, qui rajoutent à la narration, qui donnent une dimension aux produits interactifs, des plans qui, eux, sont en précalculé, et essayer de les lier d'une façon harmonieuse, un peu comme un acteur qui ferait une improvisation et qui, à partir d'un certain moment, tomberait dans un film qui serait déjà tourné. Donc, une espèce de pont entre des images qui sont préparées d'avance, des plans qui sont connus par les créateurs du jeu et une liberté d'action totale qui est donnée par le joueur. Je crois que cet exemple est assez frappant et nous emmène à penser, en fait, que le mariage entre l'image de synthèse et le jeu est probablement beaucoup plus complexe que simplement une illustration, une décoration. L'image de synthèse est véritablement l'image des jeux. Ils font partie de la même famille, en tout cas à Infogrames, nous en sommes convaincus. Alors, on a été encore un petit peu plus loin. On a cherché à repousser ces limites-là et à se poser la question même de la structure de l'image et est-ce que le jeu ne pouvait pas rendre l'image intelligente. Alors, on va vous montrer un premier exemple qui est un produit qui sortira au mois de septembre, qui s'appelle Outcast, dans lequel nous avons justement cherché à repousser les limites de l'image en la rendant intelligente dans un jeu. Regardez ces quelques exemples. Outcast est une très bonne illustration des recherches et des applications que nous faisons aujourd'hui à Infogrames sur la convergence entre images de synthèse et jeux vidéo. On va prendre un exemple très simple. Le joueur décide, en tout cas que le personnage pointe son arme sur un groupe d'animaux et ce groupe d'animaux se disperse. Il a fallu que l'image devienne intelligente et reste de la même qualité. Alors, la problématique qui est posée là, c'est est-ce que l'image de synthèse, c'est la représentation d'une réalité figée, l'espèce de projection d'un designer. Non, dans l'application des jeux vidéo, elle doit devenir complètement interactive. Elle est en fait la représentation de la cohérence intellectuelle du joueur.
Il faut qu'on arrive à synchroniser ce que le joueur a dans la tête et toutes ses actions avec ce qu'il va voir sur un écran. Et c'est ce pari difficile qui fait que l'ordinateur ou l'application interactive en général et l'image de synthèse doivent rendre les images beaucoup plus intelligentes. Donc il faut arriver à synchroniser ce que le joueur a dans la tête, les actions qu'il va anticiper, les mouvements de son bras et ce qu'il va voir sur un écran. Et c'est ce pari difficile que les designers, les graphistes et les concepteurs des jeux doivent résoudre. Comment faire pour rendre l'image de synthèse intelligente? Parce que si on déroge à cette règle de cohérence intellectuelle, on crée une rupture de l'imaginaire, un peu comme si on réveillait un rêveur endormi, on va créer une frustration extrêmement forte. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'image de synthèse, le jeu vidéo, non seulement font partie de la même famille, mais il n'y a que l'image de synthèse qui puisse être la représentation de ce jeu, parce que justement, l'image de synthèse n'est pas la représentation d'une réalité, mais la représentation d'une cohérence intellectuelle, plus que l'image vidéo, par exemple, qui, elle, est l'image du récit. Donc on voit bien que la problématique qu'on essaye d'aborder à Infogrames vis-à-vis des images de synthèse, c'est celle de définir, par rapport à ces nouveaux instruments de communication, que sont les consoles de jeux ou les PC, eh bien une nouvelle forme de communication. Un exemple très simple, on ne joue pas du Beethoven sur des guitares électriques, eh bien on ne fait pas de la vidéo sur des PC. Il y a véritablement des nouveaux talents, des nouvelles directions à chercher, une nouvelle probablement sémantique, pour utiliser des mots beaucoup plus sophistiqués, à créer sur cette communication interactive. Et c'est pour ça que notre objectif de tous les jours, et notamment dans le jeu, c'est d'utiliser l'image de synthèse et de la rendre beaucoup plus intelligente. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous présenter aussi un de nos dernières créations, iWar, qui montre également que l'image de synthèse se démocratise et arrive sur les PC. Les images que vous voyez actuellement derrière moi sont des images qui sont maintenant à disposition de Monsieur Tout-le-Monde sur des CD-ROM, qui ont nécessité la création sur des PC standards et qui, je crois, montrent que la technologie rentre aujourd'hui dans tous les foyers. Regardez-les. FTO for backup, now! All ships, Dreadnought has signaled for assistance. Let's move it, people. Sir? If that's what I think it is... They're trying to block the point. FTO, the backup squadron, send an abort code. Too late. Hell. Those ships come out of jump space into a block point. We are gonna see those ships smeared all over. Attack pattern B3. No, climb! It. Hold position here. Match velocities with the destroyer. Now, full burn for the blocker. Clear the bridge.
Vous voyez, mon image n'est pas encore interactive, n'est pas encore intelligente. Je ne peux donc pas répondre directement à toutes vos questions. J'espère qu'elles sont nombreuses sur ces convergences entre les images de 3D, les jeux vidéo, les recherches que nous faisons à Infogram. Et croyez-moi, en dehors des exemples que nous avons montrés aujourd'hui en exclusivité, il y a encore de très très nombreuses idées. Alors, utilisons le courrier électronique. Mon adresse email doit être en train de s'afficher sur l'écran. Je répondrai directement et personnellement à toute question que vous voudrez bien m'adresser par ce moyen-là. En attendant, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la remise de ce premier prix créé par Infogram de Créagina. Et j'espère que les réflexions qu'Infogram a dans le domaine vous auront intéressé.